Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore une fois, un unboxing de chez DAC. Mais écoutez, j'ai tout reçu en même temps, donc je suis très très contente. Donc là, c'est comme vous pouvez voir, c'est un gros colis, parce qu'en fait, j'ai fait donc une précommande le 5, donc c'était au 5 avril que ça pouvait être expédié. Et moi, donc je les ai commandés, je vous dis ça tout de suite, je ne sais même plus, je l'ai noté, mais alors je ne sais plus du tout. Je les ai commandés le... Alors, je les ai commandés le 15 mars, donc voilà, j'ai commandé le 15 mars et c'était dispo que à partir du 5 avril. Donc j'ai reçu, écoutez-moi bien, ils ont expédié ça le 5 avril par UPS, et pourtant je n'ai pas choisi UPS, mais ils m'ont envoyé par UPS et c'est très bien parce que UPS est très cher et j'aurais jamais pu moi me prendre UPS. Donc je pense qu'ils ont, je sais pas si c'est normal ou pas, mais... Peut-être parce que j'ai eu des soucis sur ma première commande qui a mis beaucoup de temps à arriver. Et comme vous pouvez le voir, celle d'après, je les ai reçues assez rapidement. Et donc celle-ci a été expédiée le 5 avril. Et je l'ai reçue le 8 avril. Oui, oui, oui. Je l'ai reçue le 8 avril. Enfin, ils ont mis ça dans un point relais parce que je ne pouvais pas être présente. Donc je suis allée la récupérer aujourd'hui, nous sommes le 10 avril. Donc ça a mis 3 jours quoi, par UPS, 3 jours. Non mais... Enfin bon, voilà voilà. Et donc dedans j'ai 3 toiles. Donc je regarde s'il n'y a pas mon adresse quand même. Pas, si. Donc elle est tout derrière, donc c'est pas très grave. On va ouvrir de ce côté. Donc c'est un gros carton. Je suis très contente, il est très beau. Voilà. Alors, ah oui, d'accord, on peut aussi ouvrir par là. Non, est-ce qu'il y a un truc? Non. Voilà. Bon, j'aurais peut-être dû pré-ouvrir avant, mais bon, écoutez. Hein. Alors, vu que j'ai pas envie que cette vidéo elle soit trop longue. Je vais juste faire deux toiles avec vous et ensuite l'autre je la ferai à part je pense. Donc voilà, je vais quand même essayer de prendre parce qu'il me semble que j'ai pris du rond aussi dedans. Donc je vais faire un carré, un rond pour vous montrer. Et le reste, alors je regarde, c'est un carré, je sais pas si vous voyez tout de suite. Donc ça c'est un carré et ça c'est un rond, donc voilà, très bien. Donc, je vais vous montrer déjà cela. Alors, attendez, parce que je ne me rappelle plus. Ouf, elle est très belle celle-là. Ok. Donc, je vais déjà vous montrer ces deux-là. Donc, une en carré et une en rond. Voilà. Alors, je vais juste vous dire donc, les prix. Du coup... Celle-ci, donc j'ai... donc c'est celle-ci, je crois. Alors, c'est de chez qui? Donc, ok. Donc là, j'en ai une. Bon, je vais vous montrer tout de suite. Hein. Puis on fera le blabla tout à l'heure. Hein. On va déjà ouvrir celle en rond. En premier. Hop. Hop. Voilà. Alors comment vous dire que là je vais devoir jeter tous mes cartons directement là dès que j'ai fini parce que sinon catastrophe. Donc là c'est en rond donc j'ai pas de petits stylets mais sinon ils sont tous identiques. Hein, donc je vais pas refaire le topo là, c'est bon. Je l'ai fait 40 fois là. Donc bon. Donc on a la toile. Je vais vous montrer tout directement je pense cette fois-ci. Voilà, donc ça je le garde parce que je vais utiliser le carton. Et donc je vais vous montrer. Ah, donc là c'est le nouveau. Là j'ai les petits stickers que je peux mettre sur... Ok, donc là c'est la nouvelle petite fiche récap. Donc voilà, donc c'est Afternoon Tea de Randall Spengler. Excusez-moi, monsieur Spengler, mais je ne sais pas comment dire votre nom. Donc, voilà.
Donc c'est le petit en fait dragon qui prend son thé. Voilà. Et en fait, moi, elle m'attirait pas du tout cette toile, mais j'ai vu donc Angélique de Angélique Ma vie normale qui avait fait en fait un unboxing. Et en fait, quand j'ai vu que les abeilles étaient où étaient positionnées les abeilles, je me suis dit, ah oh non, mais elle va rendre hyper bien, donc non, je la prends quoi. Donc voilà. Et vu que c'est une ronde, ça ira assez vite, donc c'est ça va. Et puis même, il est très mignon. J'adore, moi. Je bois, je kiffe le thé. Voilà. Les tisanes et tout. La tasse, elle est magnifique. De toute façon, moi, dès qu'il y a une lune ou une étoile quelque part, c'est bon, quoi. Voilà. Donc là, c'est une diamant rond. Donc c'est une 56 par 69. Avec des diamants AB. Dedans, on en a 3. 3 ou 4? C'est quoi celle-là? Je sais pas si. Non, je pense pas que ce soit un AB. Je crois que ça commence à partir de 150. Enfin, avant 150. Je sais plus. Attendez, je vais regarder. Je ne sais plus. Non, il y a 3 AB, ouais. 3 AB. Donc voilà. Et donc celle-ci, elle m'a coûté 51,35 dollars. 51,35 dollars. Donc on a le petit sticker. Et donc voilà, comme je vous ai dit juste avant. Donc là, c'est avec les petits trucs qui peuvent sortir. Enfin. Vous avez compris, les petits stickers là, étiquettes. Faut trouver ces mots des fois. Les petites étiquettes, voilà, qu'on peut poser ensuite sur nos petites boîtes et tout. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Et c'est ce que je vais faire. Voilà. Et l'image, voilà quoi. Je la trouve magnifique. Le petit sticker, voilà. Donc, je mets ça de côté. Ça aussi. Et on va ouvrir. Donc là, je vous ai montré, donc je ne vais pas faire non plus tout un suspense. Ah là, je l'ai déchiré là. Mon Dieu. Là, je l'ai déchiré, c'est la première fois. Bon, c'est pas grave. Alors, on va retirer les petits diamants déjà. Ouh, oh là là, elles sont magnifiques les diamants, c'est ouf. Alors, j'ai juste envie de l'ouvrir dans votre sens quand même, donc c'est de ce côté. Voilà. Oh là là, elle est. Oh mon Dieu. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Du coup, je vais vous montrer de près comme j'avais fait dans l'autre unboxing. Je vais vous montrer de près. Donc voilà. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi comment c'est hyper bien, hyper net, quoi. Et je pense que vous voyez que ça pétille un peu. C'est qu'il y a il y a de la paillette, quoi. Hein. Il y a de la paillette dessus. Regardez-moi ça. Non, mais allez. Incroyable. Oh là là, j'adore. J'adore, j'adore. Et du coup, vu qu'on va regarder un peu où sont les AB. Donc là, j'ai, comme je vous ai dit, 3 AB. Donc j'ai la une, c'est la verte. Alors, où est-ce qu'il y en a? Il y en a là déjà un peu. Il y en a là. Il y en a là, sur le petit dragon. Donc ça va illuminer un peu son petit museau. Ses petites narines, sa petite queue, les bras. Il y en a où encore? Il y en a un peu sur le rebord ici de la tasse, là aussi. Voilà, donc ça va être très très beau. Ensuite, on a le numéro 2, donc c'est en blanc, je crois. Alors, non, je ne sais pas. Regardez. Là, le 3, c'est en blanc, mais le 2, c'est quoi? Alors, attendez, je regarde. Ah, ok, c'est en bleu. D'accord. Donc, il y en a là en fait sur le rebord aussi. Donc, là, le contour. Il y en a où encore? Je suis désolée, je cherche en même temps. Il y en a où encore? Il y en a là, un peu. Voilà, je sais pas trop après. Bon, voilà. Et on a le numéro 3, donc qui est voilà, tout le filament en fait du sachet. Là aussi, donc là le contour du sachet de thé. Là pareil, encore sur la petite tête du dragon. Ensuite,
Ensuite, il y en a là aussi. Donc là, ça fait un peu le relief, le reflet, on va dire. Voilà. Enfin bon, franchement, elle est magnifique, quoi, là aussi. Donc, pour apporter de la lumière. Magnifique. Voilà, et du coup, je vais vous montrer là les diamants directement, parce que j'ai un peu la flemme. Donc, voilà. Il y a de très très belles couleurs et là vous avez le habit directement. Voilà, là on a le numéro 3, donc c'est un blanc AB. Là on voit qu'il y a le vert AB. Là. Et donc c'était quoi déjà? C'était un bleu. Là, il est là. Et il est là le bleu. Magnifique! C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Oh là là. Regardez-moi l'image, quoi. C'est impressionnant. Donc, voilà. Et donc, je vais vous montrer la deuxième. Du coup, je vais vous montrer la deuxième. Donc, celle-ci, je vais juste la réenrouler. Pour pas non plus que ça fasse n'importe quoi. La remettre dedans. Voilà. Hop, je préfère tout ranger correctement au moins. Par contre, ça, je vais la... Parce qu'en fait, les étiquettes sont en train de... Je vais la mettre dans un petit cahier parce que... Parce que j'ai peur que les stickers ils partent là, sur celle-ci. Donc celle-ci, je vais la mettre dans un petit cahier pour jusqu'à qu'elle s'aplatisse. Je la garde. Hop, on va mettre ça dedans. Voilà, ça c'est fait. Hop, oh, j'ai tellement de dac là. Et ensuite, du coup, là, on est sur celle-ci. Donc, c'est The Good Witch de chez Annaline. Alors, où est mon cutter? Where is my cutter? Where is my cutter? Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais, il faut que je m'approche un peu quand même. Hop, je fais ça à l'arrache. Hop. Alors... Là, elle est en carré. Donc, comme j'ai dit, hein, je vais pas la... les carrés, je ne vais pas les faire tout de suite de chez DAC parce que j'en ai une autre à faire. Donc, le toolkit, hein, basique encore une fois. Donc, cette fois-ci, il y a juste la petite pince dedans. Ensuite, donc, on a... Bah, tout est sorti, c'est très bien. On a donc le sticker. Voilà. Donc là, c'est The Good Witch de chez Annaline. C'est une 56x79. Voilà. On a, donc celle-ci, c'est pas une nouvelle, mais c'est pas grave. On a donc le petit récap, voilà, avec les couleurs et tout. Donc celle-ci, elle a 3 AB aussi. J'ai hâte de voir. J'espère que j'aurai un rouge. Ah oui, c'est un orange là. C'est un orange. Donc il n'y a pas de rouge là, mais j'ai un orange, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, alors on va l'ouvrir. Ah, celle-ci elle s'ouvre très bien, donc c'est parfait. Hop. Voilà, on sort les diamants. Oh, les couleurs elles sont pas mal. Hein. Ah, ouais. Alors, encore une fois, je vais essayer de l'ouvrir dans votre sens. Je crois que c'est de ce sens. Ouais, ouh, elle est énorme. Elle est énorme. Oh là là, elle est trop belle. Voilà quoi. Elle est magnifique, mais vraiment. De toute façon, celle-ci, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vue. Annaline, je vous aime, Annaline. Je vous aime. Oui.
Donc voilà, je vais encore, je pense, vous rapprocher comme je fais d'habitude. Alors, je vais vous dire aussi le prix tout à l'heure. Donc, voici The Good Witch. Hop. Elle est trop, trop belle. Oh là là. Regardez-moi ça. Avec des petites touches là de blanc. Mais c'est pas du, AB ça. Elle est magnifique. Et du coup, donc on a le numéro 1. C'est un genre de jaune pâle. Alors. Je vois pas. Alors là, j'en vois un petit peu. Ici, il y en a un petit peu. Mais alors par contre, je vois pas beaucoup. Alors je remets juste bien. J'en vois pas énormément là du AB numéro 1. Donc ça me déçoit un peu. Ouais, en fait, c'est vraiment dans le vêtement, quoi. Il y en a là, il y en a là, il y en a là aussi. Donc c'est vraiment dans le vêtement, le jaune là. Jaune très, très pâle. Ensuite, on a donc le numéro 2. Donc c'est un orange. Et pareil, donc je crois que c'est dans le vêtement. Ouais, là. Donc il y a une petite touche dans le vêtement. Ah ouais, il n'y en a pas beaucoup, hein. Bah dis donc. Il y en a où encore? Il y en a là, dans... Je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est un bâton qu'elle a. Il y en a là. Il y en a là aussi. De toutes les petites touches orange, en fait. Orange, orange. Mais il n'y en a pas beaucoup. Oh, je suis déçue. Par contre, là, je suis déçue, ouais. De me dire qu'il n'y a pas beaucoup de AB dessus, quand même. Voilà, quoi. Et donc on a le numéro 3, donc ça c'est un vert. Sauvez-moi le vert s'il vous plaît. Donc là c'est bon, il y a du vert, là il y a du vert, là il y a du vert, là il y a du vert. Là, ah, c'est un arc-en-ciel derrière, oh, il est trop beau. Là il y a du vert, il y a du vert AB, il y a du vert AB. Dans les yeux il y a du vert AB, oui. Là aussi donc fard à paupières, madame, mais du fard à paupières. Donc voilà, là il y a du AB, là il y a du AB, là il y a du AB vert. Dans... Là aussi il y a du AB vert, là, enfin, voilà. Par contre, le AB vert, il y en a. Mais le reste, pas trop. Donc là, je suis un peu déçue par rapport à ça. On va voir où est-ce qu'ils sont. Donc là, on a les diamants. Donc là, vous voyez, c'est vraiment couleur de l'arc-en-ciel, quoi. Là, voilà, quoi. Alors, voyons voir. Du coup, donc là, on voit qu'il y a le AB vert. Donc c'est le même, en fait, que... ouais, c'est le même que dans l'autre... On a donc voilà, le jaune il est là mais on ne voit pas beaucoup. Il y a le jaune là, on ne voit pas beaucoup. Le orange, je le trouve pas. Ah, il est là mais on ne voit pas. On ne va pas le voir, il est tout au fond. On ne va pas le voir. Donc bon, voilà, c'est quand même pas mal. Bah écoutez, on verra de toute façon ce que ça donne quand on le fera. Mais hop. Du coup, je vous remets bien pour qu'on puisse rediscuter, voilà, parce que c'est quand même très lourd avec le trépied. Du coup, pour vous dire, donc celle-ci, elle a coûté 56,13 $. Donc c'est une 47 couleurs avec 3 AB en 56x79 de chez Annaline. Et donc c'est The Good Witch. Et comme je vous ai dit, elle est arrivée très rapidement... Donc voilà, donc en 3 jours, donc 5 avril à 8 avril, en 3 jours, voilà, elle est vraiment très très belle. Je suis quand même, sur celle-ci, je suis déçue juste qu'il n'y ait pas beaucoup de touches de AB en fait. C'est vraiment des toutes petites touches à part le vert qu'on aura beaucoup. Mais vraiment, j'espérais vraiment un gros contour là, dans les yeux. Donc, il y a le vert, mais bon, voilà. Le orange, il est inconnu au bataillon. Il y en a beaucoup moins, vraiment pas beaucoup. Le jaune aussi, il y en a vraiment pas beaucoup. Donc c'est vraiment que des petites touches. Voilà. Mais c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Franchement, il me plaît tellement en fait que c'est pas grave. Voilà. Voilà. Bon. Ça fait combien de minutes que je filme? Ça fait 19. Bah écoutez, je pense que je vais quand même vous faire le troisième. Comme ça, ça fera une vidéo complète. Donc, gros unboxing Diamond Art Club. Voilà. Donc, je vous reprends. Attendez.
Du coup, donc là, ouais, je vais ranger ma petite boîte. Ça, je peux le mettre dedans parce qu'il n'y a pas de sticker. C'est pas un sticker comme l'autre, donc je le prends. Du coup, non, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je crois que j'ai dû couper à un moment, donc ça fera assez long ensuite. Je vais juste de toute façon continuer, je vais continuer avec l'autre. Voilà, donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Donc là je vous remonte, donc c'était The Good Witch de chez Annaline. J'espère que ça vous aura plu, que vous, ça, voilà, au moins vous voyez à peu près comment sont les toiles en réel et pas sur le site. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous aussi vous êtes en train de commander ou vous avez reçu vos toiles, et quelle toile en fait vous intéresse, et entre les deux lequel vous a plu en fait. Voilà, donc dites-moi en commentaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et je vous fais de gros bisous. Ciao.